Bonjour, monsieur Kobashi. Tu n'es pas Holtzman. Où est Holtzman? Un problème familial. Je le remplace. Ouais. Bon. Emmène-moi à cette adresse. Et plus vite que ça. Vite? C'est-à-dire? Épate-moi. Bah, on va essayer, mec. On va essayer. Allez. J'ai encore touché à la Camaro. On verra bien ce qu'on arrive à faire. Ah mince, on n'était pas obligé. Oh bah. Ah premier bah non, séjour en Amérique, monsieur Kobashi. Je t'ai vraiment donné l'impression de vouloir faire la conversation. C'est juste pour causer, monsieur. Moi je dis vivement les voitures autonomes. Alors, quoi? Ça allait assez vite pour vous, monsieur Kobashi. C'est un bon début. C'est Kobashi, j'arrive. Il faut qu'on amène la voiture? Non, encore. Pour l'instant, c'est mon assurance vie. Tu nous diras. Je te dirai quand je serai à la plante. Une conversation bien intéressante. Ce Kobashi m'a l'air d'être un vrai connard. Continue. Je t'entends plus. C'est mieux, je dois dire. J'essaie d'être agréable. En tout cas, je sais que t'es pas du clan, toi. Le clan préfère engager des brutes stupides et bien disciplinées. Pour qui tu bosses? Un ennemi du collectionneur, peut-être? Je bosse pour personne. Non, je te crois pas. Tu y es presque. Continue. Bien sûr. Allez, allez, allez. Tu peux le faire, un petit Camaro. Et dans les temps, en plus. Oups, désolé. Ah, c'est ça? Ah, je connais cet endroit. Oui, c'est moi. Dis au clan qu'ils peuvent emmener le colis à l'entrepôt, maintenant. C'est quoi ton colis? Ça m'intéresse, hein. Alors, sauf si je peux le voler. Oh, du 13. Oh, allez, ça me fait tout baisser. C'est génial. Salut bien tes vrais patrons de ma part. Tu peux leur dire que je les verrai bientôt. C'est un petit malin, lui. C'est un petit allez malin. Voir du côté de cet entrepôt. Allez, ouais. J'ai déposé le VIP. Au fait, il te passe le bonjour. C'est-à-dire? Il sait que je bosse contre le clan. Ma couverture est quasi grillée. Bon sang. On ne peut plus te confier de mission du clan. Il est trop fort. Il est trop fort. L'autre voiture? Il l'emmène dans un entrepôt. Je m'en fous complètement. Pas moi. Je suis parti voir là-bas. Pas de risque, hein? Ma couverture tiendra bien pour une dernière mission. Il faut que je sache où sera la voiture. Ne fais pas ça, Miller. C'est un ordre. Ouais, j'aime pas trop les ordres. On a remarqué. Bon, la Camaro, c'est toujours pas la reine du drift. Hein. Aucun nom. Bon, enfin, elle reste vraiment sympathique, franchement. Alors, l'entrepôt, il se trouve ici. Faites un saut de 10 mètres et échappez-vous dans le délai. Un parti. Oh, ce spoil. Salut. T'es qui? Kobashi a donné le feu vert pour emmener la voiture à l'entrepôt. Quoi? Le percepteur veut l'exposer au Terminal Rift VIP pour la fête de Fortune Valley. Il... Ouais. Mais... T'es sûr? Un problème? Alors, parle-moi de l'entrepôt. Bordel! C'est trop du cul, m'ont envoyé les flics. Fais chier. Par contre, j'ai pas trop compris, Need for Speed t'as bugué. Oh la petite esquive qui est passée, franchement j'ai eu de la chance. Thank you.
ça les Hertz. Ouais, je l'ai vu. Hop. Ok, je la vois. Bon, faut dire que franchement, tu mets des... Attends, attends. Non, il allait me faire foncer sur la Hertz. Ah! Et comme ça, c'est bon? C'est soit la Hertz, soit le terre-plein. Quoi que la Hertz, qui sait. Réponds, Miller. Kobashi a grillé ma couverture. Le clan m'a envoyé les flics. Je t'ai dit pas de flics. Bonne nouvelle, je sais où sera la voiture de Kobashi. On s'en fout de la voiture. Ça t'embête pas si mon coup la pique, alors? Allez-y. Ça y est? On vole une nouvelle voiture? Excellent. Allez, laissez-moi. J'ai trouvé notre deuxième voiture. Appelle Tai et Mac. Dis-leur qu'on va. Ah! Alors là, j'ai pas compris là. Je sème des flics que le clan m'a envoyé. Ne dis rien. La barbe t'a reconnu grâce à ton pilotage de taré. C'est un peu ça. Putain, ils sont tellement plus rapides que moi. Oh merde, putain, c'est fermé. Bien le bonsoir. Putain, je pensais pas, moi je voyais une route moi. Bon. Ah d'accord, ok. Wow. Je pense que lui il l'a senti passer là. Merde, ils me suivent encore. Oh merde. Et encore une fois, ils ont le nitro scénaristique qui leur permet de me rattraper avec une telle facilité. Oh, c'est affreux quoi. Pour info, ma voiture est 300, 307, je crois 301, donc je comprends pas trop comment ils font ça. Oh non, mais les mecs ont plein de drift quoi, ils me gênent. Quoi. Allez, vas-y, fonce la Camaro. T'es un petit peu défoncé la Camaro. Je dirais pas que t'as un feu qui ne fonctionne plus. D'ailleurs, je ne pensais pas que Need for Speed faisait ça. Ça m'impressionne. Mais t'es un petit peu défoncé. Un tout petit peu. Un petit coup de polish et je pense que ça repart. Ah! C'est qui me suit encore? C'est le BM. Oula, mais c'est une sacrée poursuite là. J'ai l'impression de faire... Oula! De faire grand tour sur... Need for Speed Rivals, ouais. Allez, tourne. C'est un camion quand même, hein, cette voiture. Hop! Oh, je suis vraiment désolé. Je pensais que j'allais pouvoir t'esquiver en plein drift. Excellent, évadé. C'était chaud. Ah bah oui, le saut, oui. Sans faire exprès, oui, j'ai fait un saut. Alors hop. Qu'est-ce qu'on a comme pièce? Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Bon, hop. Ouais, au final, ça c'était la dernière mission, je m'attendais à un bon truc, c'est juste que ça va nous permettre de voler une voiture en fait, mais je m'attendais vraiment à une tuerie quoi. J'aime bien cette Mercedes. J'ai semé les flics, tout va bien. Ta couverture est grillée, et Kobashi, on sait toujours pas pour qui il bosse, mais à part ça... On peut dire que tout va bien. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Fais-toi oublier un peu. Je te rappelle dès que j'aurai décidé de la suite.
On va appliquer le bon coup de polish à la voiture. Comme ceci, hein. Ah là là. Bon, alors j'imagine que oui, elle doit se faire oublier Jess, donc pour l'instant c'est mort pour elle. Il va falloir en fait, j'imagine dans le scénario, voler cette nouvelle voiture pour avoir une nouvelle étape. Ce qui signifie qu'il va falloir faire du tout terrain maintenant. Et ouais. Et ça tombe bien parce que j'ai une nouvelle voiture pour ça. Dès que le soleil se couche, ne sont pas de vrais pilotes. Bon, ça y est. Préjugé, Jess, préjugé. Oh là 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 là. Ben. En tout cas, pour l'instant, je suis content. On va voler une autre voiture. Mais je pense que je me suis fait un petit peu spoil dans les temps de chargement. Parce que direct dans le temps de chargement, j'ai vu en fait. C'est un pilote nomade là-bas. Je peux la voir, je pense. La Lamborghini. Clairement. Oh là 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 là. La Camaro quand même a vraiment de la gueule. A vraiment de la gueule. Par contre, je trouve que là, la première Camaro, elle a perdu un truc en fait. En fait, les nouveaux modèles ont tellement changé le design pour moi, ont tellement un peu plus, l'ont rendu tellement un peu plus agressive, surtout au niveau de sa calandre qui maintenant est un peu plus fine, le feu. Il n'est pas rond, tu vois, enfin... Là, excuse-moi, mais le feu n'est pas rond, tu vois, enfin, c'est... On part un peu sur une forme de rectangle, ça rend tellement la chose plus agressive que la première Camaro, personnellement, autant elle reste sympa, mais... c'est pas... Voilà, quoi. Je sais pas comment l'expliquer. Elle a fait 100 ans. Ouh, zone de drift avec une Camaro, dis-tu? Ça pue. Moi, c'est une voiture de type mission. C'est un petit peu un poids lourd, hein, tu comprendras. Et encore, peut-être que le camion Tesla, il gère un peu mieux. Ah, ah, ah. Ouais. Mais enfin. Donc, avant, il va falloir introduire la nouvelle voiture. On dit que la course c'est pour les hommes. Moi je dis ta gueule. Si t'es un homme, essaie de tenir une journée dans le désert avec nous. On est la Free Ember Militia. Ça fait un bail que personne n'a eu les tripes de se frotter à mon crew. Des tripes? Ça, tout le monde sait que j'en ai. Tout le monde. C'est que tu me connais mal, alors. On m'a parlé de toi, l'artiste. Mais je suis désolé, mon chou, ce crew est bien trop fort pour toi. On fonce, on collectionne les cicatrices. Moi, c'est Face. Tu veux rouler pour moi? Alors survie à notre défi. On commence par la route du fleuve. Je vais te défoncer. Allez, c'est parti, la Mitsubishi, montre-nous ce que tu as dans le ventre. On va leur apprendre un petit peu le respect. Respect dans 3, 2, 1, c'est parti. Oups, pardon. Je te vole dessus. Oh, j'avais oublié qu'on pouvait tourner dans les airs. Oh là 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 là, je commence à... Waouh, ma voiture a fait des trucs bizarres. Je commence à comprendre pourquoi les gens veulent vraiment pas faire de tout terrain en ligne. C'est complètement compréhensible. Facile.
Hop. Putain, une Civic tout terrain. What the fuck. Bonjour. Le petit coup de cul. Vous avez dit que vous alliez perdre votre respect, les gars. Mais enfin. Et devant l'horizon à perte de vue. En tout cas. Ah, le raccourci, à chaque fois je l'oublie. Comme en ligne. Oh, qu'est-ce qu'elle bouge bien quand même, la Civic. Elle bouge bien. Enfin, en tout cas, sur ce terrain. Aïe. Par contre, elle se barre en diagonale. Pour on ne sait quelle raison. Physiquement inexplicable. Attention. Bon, Mac. Hop là. T'inquiète, Mac. T'as quand même... On a quand même passé d'une Subaru Impreza à une Mitsubishi. Autant vous dire que nous, tu vois, on est un petit peu neutre. Quoi. On fait partie d'aucun clan. Oups. La guéguerre Subaru Mitsubishi, c'est bon, on est tranquille. Hop là. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'ait pas la dernière Evo. Enfin, On n'a pas fait que perdre notre temps avec toi. Vous avez juste perdu aussi, tout simplement. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais que Mitsubishi nous sorte une nouvelle Evo. Oh là là. Histoire de pousser un petit peu Subaru qui, pour l'instant, reste un peu sur ses acquis. Ah! C'était dégueulasse comme pièce. Bon, sinon, qu'est-ce que tu nous racontes? Eh hey, une des filles a trouvé un terrain de motocross abandonné et elles y vont. Ah, tu ferais bien d'y aller. Du motocross en voiture? Bah pourquoi pas. Ce sera drôle. Ouais. Ce sera casse-gueule. Mais pourquoi pas. Oh, j'aurais peut-être dû me faire un 4x4 en fait. Oh. Ah, franchement, en fait... J'ai vraiment un mal fou avec la maniabilité des voitures en off-road dans Need for Speed. Franchement, je dis mal. Décrochez-moi la lune sur ces sauts. Et Mac. Je parie tout ce que tu veux que tu sautes deux fois moins auquel. C'est bizarre ce que tu viens de dire. Mac en plein vol. Pas mal, pas mal. Je kiffe. C'est bien sûr l'aube, c'est pour toi. Je kiffe. Par contre, tu te barres un petit peu dans tous les sens. C'est vrai que franchement, j'ai un gros problème avec le off-road dans l'histoire. La maniabilité, je sais pas. Franchement, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Là où, je sais pas, Forza... Même si c'est un peu plus simu, tu peux vraiment perdre le contrôle. C'est bizarre. T'as vraiment l'impression que tu peux perdre le contrôle, mais tu as quand même le contrôle, tu vois. Alors que dans Need for Speed, j'ai pas l'impression d'avoir le contrôle. Genre ma voiture, en fait, ma manette elle vibre tout le temps pour me dire t'es en train de glisser, t'es en train de glisser, t'es en train de glisser. Et là, par exemple, bon là c'est normal, ça vibre parce que je suis en train de drift, hein, je suis en train de glisser. Mais même en ligne droite. J'ai jamais l'adhérence. Là, ça tremble. Je comprends pas. J'ai l'impression que c'est mort. Quoi. Pourtant, Forza, c'est plus de la simu, mais j'ai plus l'impression d'avoir le contrôle, de maîtriser ce que je fais. Vraiment chelou. Là où, par contre, je maîtrise totalement ce que je fais dans Need for Speed quand je suis pas en off-road. Vraiment bizarre. C'est peut-être ça, en fait, Forza aussi. Forza, il te laisse le contrôle, mais il peut très bien te le reprendre. Là où Need for Speed te laisse un peu t'amuser, mais dès que ça se part en couille, t'es dans la merde. Vas-y, vas-y, vas-y. Pas mal.
Je perds tellement de vitesse. Premier. Hop là. Il faudrait que je serre un peu plus. Franchement, elle est vraiment kiffante, la Mitsubishi. Elle est vraiment stylée. Franchement, elle vit trop bien. Super. Continue. Hop là. Comme toujours, on a les paroles encourageantes de Mac. Ce terrain il est génial, mais je le fais pas assez en multi. En multi, quand tu fais du off-road, déjà tu te fais percuter par les autres concurrents, les autres joueurs. Mais en plus, les virages sont un peu plus serrés. Et tu gères moins bien. C'est frustrant. Là c'est espacé et en plus il fait jouant. Bon alors, Mageface. Quel talent! On t'attend. Allez, qu'est-ce que tu vas me donner de dégueulasse? Ouais. Dégueulasse. Poc. Pour quelqu'un qui s'est fait jeter de Silver Rock, t'as du mordant, je dois le reconnaître. Quel dommage. J'avais hâte de voir un type capable de remettre le clan à sa place. T'es pas fan du clan, hein? Ce sont rien que des guignols bouffeurs de quinoa qui n'en ont rien à foutre de la liberté. Je prends ça pour un nom. T'es un malin, toi. Allez, prochain défi. Une de mes filles a tenté un énorme saut près du casino Silver. À nous d'en faire autant. Évidemment. Près du casino de... Ah ouais, c'est au-dessus. Bah écoute, on y va tout de suite, une petite coupure s'impose, et on se retrouve là-bas. Nous y voilà. Oh! Ouais non, la caisse plus tard. Voyons voir le niveau. Eh ben dis donc. Alors, a pris de l'avance la voiture. Drifter sur 300 mètres sans vous arrêter et gagner la course. Waouh, on va essayer. Vas-y, c'est le moment de me prouver que tu n'es pas qu'un vantard qui a eu du bol. C'est moi ou tu me prends pour un baratineur? Oh, si peu. Me frapper. Allez, c'est parti. Pardon? T'as fait quoi? Putain, ça me rappelle trop quand j'étais petit, quand je jouais à Colin McRae. Oh là là. Putain, mais j'ai grandi avec des jeux de voiture en fait. Ouais. Peut-être pour ça que je... Allez hop. Mais qui part. Drift prononcé, ce petit saut, mais oui monsieur, on apprécie. J'avoue qu'être en tête, c'est trop génial. Ouais, c'est facile surtout. Bon bah. Bah là on peut discuter entre nous, hein, un petit peu s'ennuyer, hein, clairement. Ouais, Sur Speed est plutôt sympathique. Hein. Sauf quand tu farmes trop, visiblement, la difficulté disparaît. Et pourtant, je suis pas en moyen. Je me suis mis en élevé, donc en élevé, en difficile, donc voilà quoi. Je m'attendais à quelque chose. Ah ! Juste une éraflure. Juste une éraflure. Un coup de polish et c'est reparti. T'inquiète, mec. Hey.
C'est un raccourci, ça. Lâche pas. Je sais pas. T'y es presque. On lâche pas, on lâche pas. T'inquiète pas, mec. C'est quand la fin? Oh, à bientôt. Ouais. Histoire du tunnel. Hop, voilà. Franchement, je joue beaucoup avec la caméra. D'ailleurs, je suis toujours en caméra action, je sais pas. Moi, je regarde ça. Je crois. Je crois que je suis toujours en caméra action. Et voilà ! C'est qui le patron ? Hop là, ça c'est fait. Un turbo sympathique qui va défoncer les pertes de ma voiture. Hop. Eh ben, c'est plutôt facile. est-ce que je suis en caméra action, moi ? Là, oui. Alors, tu crois toujours que je suis qu'un artiste ? J'admets que tu pilotes bien. Mais bon, ce sont pas juste deux ou trois sauts qui vont m'impressionner. Bah, oh, dis-moi, comment on doit s'y prendre, alors ? Déjà, t'as pas compris ? Faut pas qu'on cherche à m'impressionner. Ça fait un bon moment que mes filles attendent une belle bagarre. Si t'es prêt à y laisser un peu de peinture, essaye de courir contre elles. Ça sent pas bon. Un petit peu de bagarre, un petit peu de bagarre, ouais. Écoute, allons-y. Hein, on pouvait passer par là, non. N'arrête pas le programme. Ah, quand je vous dis qu'on t'a jamais le contrôle en Need for Speed, ah, en off-road, c'est affreux. Ah, toujours en train de se battre. Toujours. Attention à Infinity, je suis vraiment désolé. Hop. Bonjour. Oh. Y'a bagarre. Y'a bagarre. C'est parti. Occupez la dernière place pendant 60 secondes et gagner la course. C'est la dernière fois que j'ai essayé ça. Enfin, j'ai jamais réussi. Clairement. Pas besoin d'aligner tout le crew pour cette bagarre. Tu veux prouver ta valeur? Amène-toi et prends des coups. Je t'emmerde. Tout le monde est prêt, j'espère. Mais le problème, c'est ce défi, il est naze. Et l'autre devant, il prend beaucoup trop d'avance d'un coup. Quoi. Bon, je le fais pas, c'est chiant. Tu veux donner des coups? Très bien. Allez. Toi, t'as vraiment pris de l'avance, hein. Salut, ça va? Mais comment je fais pour être aussi fort? On ne sait pas, Mac. On ne sait pas. Hop là! Petit saut? Ce tracé est juste énorme. Hop. On passe par là. On zigzague un petit peu. Serré. Voilà. Magnifique. Trajectoire parfaite. Vraiment, on a kiffé. Oh, ça, par contre, c'était moche. Allez, c'est parti. T'inquiète, Mac, t'inquiète. Franchement, on pourrait se faire un petit barbecue tranquille que derrière, elle nous rattraperait toujours pas. Hein.
Le raccourci, je crois que c'est là, ici. Tiens bon, Mac. Bon, ben... Alors, j'essaye de faire quelque chose de palpitant, mais bon, c'est pas facile. En fait, je devrais freiner, ouais. Faudrait que j'essaye de rester avec les autres. Du coup, j'enlèverai un cylindre la prochaine fois en moteur, histoire de leur laisser une chance. Bon bah... Bon voilà hein. Ouais. Sacré artiste. T'as vu ça un peu? Oui mais je l'ai pas fait ton défi. C'est pas grave. L'argent n'est plus vraiment un problème là tout de suite. Hop là. C'est de la merde. Je l'avais dit. Hop. Ça dégage. Deux missions et normalement après on fait un nouveau casse. T'arrêtes quand de m'appeler l'artiste? Regarde, je vous colle une de ces raclées. T'as tout faux mon chou. On peut courir n'importe où nous. A ton avis, pourquoi tu crois qu'on est là? Pose-toi la question. Mais le défi n'est pas encore terminé. Tu tiens le coup? Merde, et on va voir si t'as encore du gaz. Rendez-vous au plateau. Sans faute. Oui madame. T'excites pas trop. Ouais. Gaz, une autre pompe de gaz, tonight. C'est ça, non? Une moitié de journée déjà faite. Ou plutôt, il reste à faire. Hop. Mais là, on va se faire... On va quand même mettre fin à l'épisode là, parce qu'après... Je n'ai pas non plus envie de faire un film, tu vois. Le but n'est pas là. Donc dans le prochain épisode... On va aller finir là les femmes machin là. On va aller leur montrer qu'elles ne sont rien visiblement. C'était là en fait aussi, accessoirement. Ouh, on va se prendre un excellent tracé. Va y avoir des sauts. Oh lolo. Ah ouais. Mais écoutez tout le monde, moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. C'était Kimi.